Si. Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon!